si la guerre s'était terminée autrement, que la victoire ait été de notre côté, croyez-vous que j'aurais regretté ? Par conséquent, il n'y a pas à se culpabiliser. Je n'ai qu'un seul regret, voyez-vous, après coup. C'est de ne pas m'être engagé plus tôt. Dans un Berlin en ruine, livré à la barbarie, des civils et des soldats ne défendent plus le Führer, mais leur ville. Parmi eux se trouve une poignée de Français vêtus de l'uniforme SS. Fidèles à leur idéal, ils iront jusqu'au bout de leur serment dans le décor même du crépuscule des dieux. Eh bien, nous sommes maintenant parmi tous ces jeunes qui se sont engagés dans les Waffen-SS et qui vont partir. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Waffen-SS ? Bien, je me suis engagé dans les Waffen-SS pour aller d'abord combattre le bolchevisme. Pour combien de temps êtes-vous engagé ? Vous êtes engagé jusqu'à la victoire. La 33e division SS Charlemagne fut formée en septembre 1944, alors que les Américains sont déjà bien installés en France. Formée à partir de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, dit LVF, de la Sturmbrigade Frankreich, de miliciens, ainsi que de personnel du NSKK ou encore de l'organisation Todt. Après l'entraînement à Lagerwildflecken, au nord-ouest de Francfort-sur-le-Main, la brigade Charlemagne prend le nom de 3e division de la Waffen-SS Charlemagne. La division est décimée en Poméranie. Débordée, elle se scinde en trois groupes tactiques, aux destins différents. Le groupe de Puau est décimé par l'artillerie soviétique. Un groupe essaye de se frayer un chemin vers l'ouest et le dernier groupe fuit par la mer Baltique au nord. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1945, le brigade Führer SS Krückenberg reçoit un télégramme du Führerbunker lui enjoignant de former un bataillon d'assaut. C'est environ 320 volontaires qui constitueront le bataillon Charlemagne. Les 320 hommes commandés par le capitaine Henri Fenet rentrent dans un Berlin en feu en chantant sous le regard médusé des civils. Après un périple pour éviter les colonnes russes, le bataillon se trouve dans la capitale du Reich qui n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même. Arrivant par la banlieue nord-ouest, il se regroupe au niveau de l'Olympiastadion à Charlottenburg pour se réapprovisionner. L'unité est découpée en quatre compagnies d'environ 70 hommes chacune et d'un état-major. Celle-ci est regroupée et se décide à se déplacer vers l'est jusqu'au district de Neukölln sous des bombardements terribles. Le 25 avril, le général Krückenberg commande le secteur C de Berlin, qui comprend donc le bataillon Charlemagne et la division SS Nordland. Épaulés par des jeunesses hitlériennes équipées de Panzerfaust, ils ont leurs premiers accrochages avec les soviétiques près de l'aéroport de Tempelhof. Le 26 avril, ils contre-attaquent dans le secteur de Neukölln et ils tombent dans une embuscade montée par les Russes. Ces derniers, ayant capturé un char Panther, leur tire dessus. Ils perdirent la moitié des soldats disponibles dans le secteur, soit 17 hommes. Afin de faire replier la division Nordland, Henri Fenet et ses hommes fixent les Russes à partir du pont de Hallensee avec un petit groupe de jeunesse hitlérienne. Le détachement détruit 14 chars et stoppe l'avancée russe pendant 48 heures. Étrange paradoxe, le pays de ces SS français est libéré depuis plusieurs jours. Et eux défendent jusqu'à l'épuisement les accès au bunker où Adolf Hitler vit ses dernières heures. Les soldats de ce bataillon perdu nettoient maison après maison, à la grenade et à la baïonnette, mais voient sans cesse toujours plus de Russes, surnommés par ces SS français, Ivan, Popov ou encore les Rouges. Le lieutenant Michel, commandant la 2e compagnie, gît dans une de ses caves,
grièvement blessé, intransportable. Nul ne sait ce que deviendra ce païen breton fanatique qui s'engagea dans la SS dans l'esprit du retour aux sources, de la terre, de la tradition retrouvée. Ce dernier sachant pertinemment qu'en venant sur Berlin, il allait trouver la mort. Le 26 avril, au soir, les Russes sont partout et écrasent la capitale allemande. Rejoints par des centaines de jeunesses italiennes, les SS français se battent au corps à corps, au poignard et à la pelle. Les Russes en surnombre subissent malgré tout de grosses pertes, ces derniers s'acharnant à attaquer de front ou de côté avec leurs chars, soutenus par plusieurs centaines d'hommes. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, les chars de ces derniers flambent ou doivent faire demi-tour. Les fantassins, quant à eux, meurent par dizaines. Sur la Hermannplatz, les T-34 et les Sturmgeschütz se livrent une vraie bataille d'échecs, où tous les coups font mouche. Les explosions sont indescriptibles. Vers minuit, les Français de la Waffen-SS doivent décrocher. En arrivant au poste de secours improvisé dans une brasserie, ils découvrent un tankiste qui gémit, crie, le corps mutilé, brûlé. La peau se détache, ce dernier demandant qu'on l'achève. Un PC de fortune est installé à l'opéra. Les soldats peuvent récupérer du matériel, des gamelles, des bottes, des munitions et des armes dans un décor incroyable, dorure, glace, velours et bois précieux. Mais à peine le matériel récupéré, l'opéra est pris sous un déluge d'artillerie. Les Français fuient par le métro. Scène totalement surréaliste. Dans ce métro, au niveau de l'arrêt de Stadtmitte, des croix de fer sont remises. La Bourdette de la première compagnie meurt fauchée par une rafale en protégeant le repli de ses hommes, le Sturmgewehr à la main. Ce dernier aimait rappeler à ses camarades qu'il était l'engagé numéro 3 de la Waffen-SS française. Le 27 avril, le bataillon n'a plus un char, n'a plus un canon, n'a plus de mortier ni de grenade, juste quelques Panzerfaust, des Sturmgewehr et des MG-42. Plusieurs Russes se trouvent dans un immeuble. Les Waffen-SS se faufilent au sous-sol pour allumer un feu. Ce dernier se répand assez vite, obligeant les Russes à sortir. Ces SS français n'ont plus qu'à tirer dessus. Bilan, une cinquantaine de Russes gisent sur les pavés. Les Russes subissent des pertes énormes, mais les effectifs des Waffen-SS français fondent. Les blessés graves sont évacués, mais les autres sont tout de suite remis en service. Olivier, commandant la 4e compagnie, bat tous les records dans ce domaine. Touché 3 fois, il revient 3 fois au combat. Dans ce dernier acte de l'apocalypse, un officier de la division SS Nordland retire sa croix de fer pour la donner à Alfred Dureau, ce dernier étant impressionné par la combativité de ce Français. Les combats continuent, Panzerfaust en main. Ils sont terrés, cachés dans les sous-sols, les entrées, et attendent d'être à bout portant pour mettre hors service les chars russes. Les ruines se découpent dans le ciel incandescent et prennent des contours irréels. Il n'y a plus de nuit, plus de jour. Au soir du 30 avril, le décor n'est plus terrestre. Vous avez ces maisons qui brûlent. Les pans de murs, les maisons qui s'écroulent, les immeubles qui s'écroulent. Alors, la fumée des incendies, la poussière qui se dégage des murs qui s'écroulent, par moments, c'est totalement irrespirable. Nous ne savions pratiquement même plus où nous étions. On ne faisait même plus la différence entre le jour et la nuit. Il y avait parfois des accalmies dans les bombardements. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Au milieu des accalmies, entendions les hurlements des femmes. C'était atroce. C'était exactement comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Il n'y avait plus rien. C'était le saut dans le néant. Il n'y avait plus d'espoir. Rien, rien. C'était le néant total. L'écrasement complet. Nous n'étions plus rien. Ce n'est même pas question. Finalement, la vie n'avait plus de sens. Quand la vie n'a plus de sens, on ne tient plus, même plus à la vie. Les Français du bataillon Charlemagne vont devoir défendre le dernier kilomètre carré autour de la chancellerie. Les immeubles sont en flammes et les soldats doivent sans cesse changer de position.
dans un caveau qui sert de dernier abri, les dernières croix de fer sont remises à la lueur d'une bougie. La scène est pathétique, mais cette flamme, pour eux, symbolise la flamme du dernier espoir sur la mort. Visage noirci, émacié, creusé par la fatigue et par la faim, les yeux fiévreux, ils savent que l'enfer sera la prochaine étape après le monde des vivants. Le capitaine Fenet et ses hommes observent passer les convois militaires qui se rendent avec des drapeaux blancs. La capitulation est proche. Un commandant de la Luftwaffe lui confirme que c'est la fin. Fenet ne veut pas y croire. Les Russes utilisent des haut-parleurs partout dans la ville et invitent les derniers défenseurs à se rendre. Évitant les rues, et passant par le métro, les hommes de Fenet ressortent à la station Kaiserhof, juste derrière la chancellerie. Le spectacle qu'ils y trouvent est fantastique. Partout des véhicules à l'étoile rouge. Plus un coup de feu, plus un combat. Tout est fini. Pour ces Waffen-SS français, une seule chose leur paraît logique. Hitler doit être mort. Rapidement, des petits groupes se forment pour quitter la capitale vers l'ouest. Roger Albert Brunet, capturé avec Henri Fenet, méprise les communistes. Ce dernier ne lâcha pas du regard un soldat russe sous. Il s'effondra après une balle dans la tempe. Ramenés du côté de la chancellerie, les prisonniers voient les Russes, les bras chargés de butin. Le bataillon Charlemagne était composé d'environ 320 hommes au soir du 25 avril 1945. Le 2 mai, on l'estime à 60 survivants, dont 30 prisonniers par les Russes. Le Valhalla qui leur était promis se fait piller sous leurs yeux. À jamais, le diable marchera avec eux. Procureur, ou pas, ou le Staatsanwalt, a fait un réquisitoire qui ne me concernait pas, pratiquement, hein. Qui a dit oui, hein, vous voyez devant vous, hein. Ça commence par l'avant-garde, mais ça finit sous le casque SS. Et que vous voyez devant l'ISS qui ont fait ceci et cela. Puis de toute façon, si vous pensez à cause de son jeune âge, mais pensez, il a le germe fasciste en lui, hein. Donc, il est à éliminer pour l'avenir. Enfin, bon, et puis j'étais condamné à mort. C'était une grande famille. Quand on s'engage quelque part, on doit accomplir ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que j'ai cherché ma voie pendant longtemps. Mais je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu.
façon que tout tremble. Diablerie avec nous. Ah 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 ah, vous mûrez son couleur, offrez la liberté. Notre honneur s'appelle fidélité.